Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus avec la voix qui part en couille. Bienvenue dans la playlist de l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, on a encore Kent, hein. Kent Connolly. Excusez-moi. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, Hancock et vous, et j'ai pris une décision. Je refuse de baisser les bras. Oh. Mais j'ai pas l'étoffe d'un justicier. Je pourrais au moins continuer à bricoler, histoire d'améliorer votre costume de Silver Shroud. Oh. Quelles améliorations? Améliorer le costume. Alors allons-y. Je peux pas faire grand-chose sans le costume, Silver Shroud. Oui, bien sûr, je comprends. Salut. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai réfléchi à quelques améliorations pour le costume. Quelles améliorations? Quel genre d'amélioration? Le blindage est bon, mais on peut encore l'améliorer. Je pourrais peut-être faire d'autres ajouts. Intéressant, ça me plaît, chers amis. Partir. Est-ce que je peux reculer, simplement? Voilà. Merci. Tu me plais quand tu parles comme ça, gamin. Bon. Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. Il doit certainement en rester. Ça appartient à quelqu'un, non? Mais j'ai rien volé. J'ai strictement rien volé, je voulais m'asseoir dans la chaise. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, Hancock et vous. Ok, donc là maintenant je suis au courant qu'il fait les améliorations. Bien sûr, pas de soucis. Ok, maintenant j'aimerais m'asseoir dedans. Ah, j'ai peut-être volé une boîte comme ça, non? Ouais, peut-être. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes. Donc j'y ai pas accès. C'est pas une marche, non? Ah non. Vous passez du bon temps à Good Neighbor. C'est pas une ville comme les autres. Docteur Amari. Hein. Ravi de vous revoir. La mère luminescente. Ah. Virgile, qu'est-ce qui s'est passé? L'aide de Virgile. J'ai retrouvé Virgile. Il sait comment accéder à l'institut. Mais il me faut un code intégré à la puce d'un chasseur. La puce d'un chasseur? Vous avez combattu un chasseur? Oui. Mince alors. Malheureusement, balèze, hein. Je ne peux pas vous aider. J'ai travaillé sur pas mal de synthétiques, mais jamais de chasseurs. Un autre docteur. Je ne sais rien de ce genre de puces, et encore moins comment les décrypter. Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. Je travaille avec un groupe. D'accord. Disons que ce sont les seuls que je connaisse qui pourraient tenter de pirater les protocoles de sécurité de l'Institut. On les appelle le réseau du rail. Oh! Je les connais. Merci, docteur. Je les connais. Vraiment? Oh, bon, alors bonne chance. J'espère qu'ils pourront vous aider. C'est déjà fait. Bon, eh ben écoutez, je pensais que j'allais avoir un petit coup de main. Ou au moins un petit truc sympa à faire, mais apparemment on n'y a même pas droit. Donc, eh ben écoutez, on reprend l'armure et on se barre. Armure qui est d'une classe, chers amis, regardez ça. Bow. Bow. Hop. C'est parti. Par contre, oui, j'ai une trentaine de réacteurs à fusion sur moi. Et après, je m'étonne de pas avoir de place. Je viens de voir ça. Je viens de percuter. Oh, la gueule. Bon. Maintenant qu'on en est là, on a encore donc, le point de téléportation. Allez voir. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai plutôt envie d'aller me balader, à vrai dire, moi. On va aller voir ici, on va aller voir ce qu'il y a au nord et ce qu'il y a au sud. On va voir si on va trouver des choses intéressantes. Moi j'ai envie de faire un petit peu d'aventure, chers amis, merde. L'aventure avec un grand A. Oh, je me rappelle. C'est là que j'en ai chié sa maman. Qui est là? C'est Bibi. Ah, je vais le transformer en goût, tiens. Vous vous rappelez pas, c'était un légendaire qui était de ce côté-là, j'avais buté de l'autre côté en fait. Y'a plus rien. Non, t'as raison, y'a plus rien. Oh! Ça y est. Oh, t'as de la chance, c'est pas transformé en goût. C'est bien dommage. Bon, on va aller voir tes copains là, parce que j'avais pas visité l'endroit de fond en comble. Hop le! Y'a du monde en bas? Il y a du monde, effectivement. Oh la vache, il est solide celui-là. Perds pas les jambes. Dommage.
Elle est là-bas encore. Ah pardon, il est là-bas encore. Joli. Hop. Alors, on s'est mis sur son 31. Touché. Alors, ça chauffe. Oh, l'armure qui me protège autant bien aussi bien qu'elle le peut. Mais ça fait quand même beaucoup de tirs. Bon, on n'a plus qu'à descendre. Oh! Ça, c'est beau. Ça va péter. Non, elle est tombée par terre, la grenade. T'as pas le droit de crever. Oh putain, il est solide celui-là. Ah, elle avait un épi de maïs, je prends. What? Vive la précision! Oh la vache! Voilà. Tu sens ça? C'est la peur. Mais non. Donne-moi ma tête. C'était un homme. Putain, mais qu'est-ce que c'est qui me fait du lance-flamme sur la gueule? C'est ce machin-là qui a des balles incendiaires? Dans un film américain où il tire avec le pistolet à 800 mètres et que ça touche quand même. Kanigou, remets-toi. Ah merde. Par ici. Remets-toi, Kanigou. Dommage que Curie soit pas dans le coin, elle aime bien quand on soigne le chien. Qui m'a dit que je vais crever. Oh! Salut l'ami! Ça va? Ah oui, l'électricité, c'est les armes. Les trucs Tesla que j'ai mis. Je crois que c'est les bras. Dès qu'ils s'approchent un petit peu de trop, ils se prennent des dégâts d'armure Tesla. Non, je le vois pas le dernier. Merde. Ah putain, je les vois. Boum. Boum. Oh, il est parti en charpie celui-là. Boum. Ok. Oh. Je m'attendais pas à ça. C'est une porte, on est d'accord. Dunwich Bowers. Ah. Il y a quelque chose à faire dans ce coin. Pas besoin d'y aller en mode silencieux, hein. De toute façon, avec l'armure qu'on se tape, on peut pas être trop silencieux. Ah, c'était ça. Ah oui, d'accord, l'arme était là. Pas épée revolver. C'était possible de ça, ça allait pas faire trop mal en tous les cas. Oh. Excuse-toi. Ok, de 1. J'en vois pas d'autres. Ah merde. Pas dessus, je crois que j'étais dessus. J'en vois vraiment pas d'autres. Par contre, ça tremble dans l'endroit. Et il y a un bruit assourdissant en fond. Bizarrement, je dirais que ce serait une chute d'eau ou un truc dans le genre. Comment je peux être silencieux avec une armure pareille?
qui est nécessaire. Donc ça, c'est le retour au début. Pourquoi pas. Il y avait des lunettes. Oh, la tourelle là-bas. Mais qu'est-ce que... Regardez, il y a une personne avec une... Hop les. Ça, c'est fait. Alors là, j'aurais pu... Ah, la balance. La balance qui vient faire sa pute, en fait. Quand vous montez sur le truc, il vous aurait enculé. Littéralement. Commande de tourelle, événement à venir, communication... Bon. Donc on sait que la zone est piégée. À quel point, on n'en sait rien. Oh, elle dormait. Elle se trouve, elle dormait là quand on l'a réveillée. Alors, qu'est-ce que t'es toi? D'accord, ok, t'es le premier mec que j'ai buté. Pourquoi pas? Sous-entendu, bien sûr, dans cette zone, hein, parce que le nombre de personnes que j'ai buté avant, putain. Alors par là, c'est une descente, et par là, c'est une montée. Montée qui mène exactement là où on était tout à l'heure, on est d'accord. Oh. Bonjour. Clé déverrouillée, novice. Ils auront perdu le... C'est bon. L'attention. Puis bon, c'est pas pour ce que je prends. Par contre, c'est vraiment piégé de partout. Hein. Quand tu te pointeras, je te tuerai. Hop les, dans la jambe, dans le buste. Hop les, salut les mecs. Qui veut voir papa? Oh merde. Il est mort dedans. La clope au bec. Excellent. Je vais te laisser ta clope, mon mec, mon pote. Mon gars, si tu préfères. Je vais te prendre la bière quand même. Le chapeau. Cartouche. Alors, j'espère qu'il y aura un mode pour rendre les raiders un peu plus fous. Parce que quand on voit la quantité de drogue qu'ils prennent, ça serait génial d'avoir des raiders un petit peu à la Borderlands, vous savez, complètement timbré, mais c'est ça. Ce serait vraiment excellent. Enfin, moi j'adorerais. Il y avait de la Smirnoff. Ah, je crois que je l'ai transformé en goût, le pauvre. Je sais pas pourquoi, plus j'avance, plus je me dis que je vais arriver dans une... Dans un abri. Hein ? Qui est là ?
Bedlam. Perdu, pauvre merde. Il a l'air solide. Est-ce qu'on a une grenade sympa? Oh, ce serait génial. Allez, vendu. Oh putain, il n'y a pas un qui est mort. Oh la gueule. Hop, et de une. Ok, ça devait être un piège. Le voilà. Et il est pas mort. Hein. Bouf. Raté. Raté. Touché. Touché. Raté. Bonjour. Regarde celle-là. Hop les fonds. Il a complètement fondu. Oh, il avait du matériau nucléaire, le salaud. Ou la salope, je sais pas trop. La vache. Intéressant ça. Terminal de Bedlam, déverrouillé novice. Intéressant. J'espère que ça va pas faire remonter l'eau, un truc comme ça. Nasty. You're nasty and dirty. Get it away. Tries. Masks. Masks, j'en ai trois. Mails, du coup, forcément. Ménage en cours. Bande de fous, tu lâches. Sogus ne peut rien faire sans son fer. Alors Slag m'envoie me rendre compte pourquoi ces bons rien ne sont pas foutus d'envoyer une cargaison de ferraille. Ça va pas en train de bouffer une nourriture qu'il ne mérite même pas et de chuchoter je sais pas quoi sur des trucs au fond de la mine. Moi je suis là maintenant. Ces vermines ont bien plus à craindre d'une poignée de ghouls sauvages. Nouvelle interruption. Les dernières expéditions sont parties de temps, mais l'équipe envoyée sur pour éliminer les ghouls en bas n'est pas revenue. On est à court de ferraille ici, il faut qu'on descende le plus bas dans la mine, on dirait que c'est moi qui dois m'occuper de tout ici. D'accord, je ne crains rien dans la lumière. Je ne crains rien dans la lumière, je ne crains rien dans la lumière, je ne crains rien. Ah oui, d'accord. Il avait peur dans la lumière. Il avait peur dans le noir. Alors il y a forcément un rapport avec une. Je ne crains rien dans la lumière, je crois que c'est une. C'est pas une quote d'un film ou un truc comme ça. Ou une référence à la Bible. Parfait. Histoire dans l'heure de vous réduire 5% des dégâts infligés par les robots. D'accord, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais je vois que la mine continue. Et donc il y a des ghouls là-bas. Un mini nuke. Bah écoute, je prends. Et on y va. Ouais, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Oh, c'est d'une... Vous avez remarqué? Ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a plus ni Ken ni Goo. Alors, est-ce que si je fais ça, ils reviennent? Non. Ça, c'est vraiment dommage. Waouh! Tu viens d'où, toi? Putain, elle m'a foutu les boules. Waouh! What? C'est quoi ces dégâts? Pourquoi je me prends des rades? Pourquoi elle est partie aussi loin? Oh. Voilà, meurs. Hop. Ok. Des bières. Une autre goule. Un casque. J'ai pas besoin du casque, j'ai ce qu'il faut au niveau de l'armure. Ah oui, d'accord, je ne crois rien dans la lumière. Je comprends mieux maintenant.
Yo. Oh, c'était joli ça. Un tas de cendres. Ok. Et donc, où est-ce qu'on raterrit? What the? What the fuck? Oh putain. Sortons les vraies armes. Oh nom de Dieu. Putain. Non. Oh non. Putain, mais vous venez d'où? Vous venez d'où? J'ai peur. J'aime pas ces saloperies. Elles foutent les boules. Pourquoi venez derrière? Yo les petites putes. Voulez-vous la mettre? Eh ben on va se la mettre hein. Écoutez, j'ai rien contre. J'ai de quoi toutes vous défoncer de toute façon. Y'a du monde? J'ai dit y'a du monde? Ouais, elles sont un peu trop nombreuses là. Encore une légendaire? T'aimes bien l'électricité? C'est mon armure. Tu veux, c'est pas grave. Je crois qu'elle y avait perdu un bras en fait. Encore une. Tiens. Ouf. Ah, oh, vous savez quoi? Je crois que je vais sortir la batte de baseball. F5. Je crois qu'elle est sur 7. Parce qu'avec la force que me rajoute l'armure, ça doit pouvoir faire mal. Saloperie. Dégagé. Puis bon, tuer des zombies à la comment? À la base, c'est tellement plus stylé. Hop. Gembox, déverrouille Novice, c'est parti. Ça y est. What the... Ah oui, c'est parce que j'ai marché sur le tas de sable. J'ai pas envie de monter trop haut. Parce qu'on a oublié des choses de l'autre côté. Par là. Oh, oh, oh. Complètement creepy. Allez les filles. Oh. Je l'ai envoyé voler. Ok cool. Ok.
falloir qu'on refasse de la vente de munitions derrière, qu'on puisse racheter des steam packs. Je t'ai vu! Bouf! Rapide minigun. Stylé! Par contre, j'ai perdu un bout d'armure. Ça, ça fait plus chier par contre. J'ai un bout d'armure qui se fatigue. Ça fait carrément chier. Wouah! Putain, ce bol. Vous l'avez vu? Regardez. Figurez une furtivité. Génial. Génial, génial, j'adore. J'aime pas cet endroit, mais j'adore le reste. Par contre, ça me fait chier pour mon bras. Ok, allons-y. Ça tremble. Oh nom de Dieu. Wow! Yo l'ami! Putain, vous étiez pas là il y a 2 secondes! T'es rapide toi! Bouffe! Vache! Les salauds! J'ai des espèces de visions en plus. On saute. Oh merde! Ah non, 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 j'abandonne pas l'armure! Putain, je vais devoir abandonner l'armure! Ah la vache! Non! Attends. J'ai envie de tester un truc. Ah, j'y suis encore dedans. Voilà! Problème résolu. What? Cette fois-ci, le problème, il est résolu ou pas? Manique, pourquoi pas? Écoute, si t'as un gant de cuisine sur toi quand t'es une goule, je vais pas te juger, hein. Par contre, ouais, je les ai tous envoyés dans le trou, c'est ça, non? Ouais, potentiellement, oui. Ça me fait chier d'abandonner l'armure. Faudra que je revienne la chercher. Faites qu'elle y soit encore. Dunwich direction. Ok, la cible est souvent emprisonnement, dégâts exceptionnels. Faut que je remonte. Parce que ma respiration va pas être top là-dessous. Ok. On va utiliser un radeway. On va redescendre. Oh putain, mais je. Faut que je fasse plus attention à mes radiations. Faut que je sois sûr de rien avoir oublié. Principalement dans cette pièce. Apparemment, non. On peut remonter. Ok. Alors Dunwich direction. J'ai envie de voir ce que c'est que ça déjà qu'on a trouvé. Parce que c'est quand même bizarre. Oh mais la grotte quoi, elle est géniale. J'ai trouvé une espèce de couteau en plus, c'est ça hein. Alors juste pour voir.
Ah bah j'ai complètement perdu le bras. Merde. Fais chier. Alors, Dunwich direction déjà. Travail de dissimulation, Tim. Nous avons suivi votre conseil et demandé aux autres chefs de projet de vous rejoindre à la station 4. Retenez-les s'ils arrivent avant nous. Ils ne savent rien. Nous sommes tout prêts d'accomplir notre but. Un peu de patience. 64. Vous serez amplement récompensé. Et la mienne fait 71. Mais elle est lente. Intéressant. Et l'autre fait 71, mais 64, mais pas amélioré. Donc c'est une véritable... Pourquoi est-ce que je sens qu'il va y en avoir d'autres ? Pourquoi la lumière s'est éteinte ici ? Il y avait peut-être pas de lumière ici. Peut-être pas. Donc là c'était un cul-de-sac. C'est ça hein. Ah oui non. Oh merci pour le Steam Pack. Ah on va atterrir derrière. Derrière la fameuse porte qu'on a vue tout à l'heure. Putain. Salope. Ok il en reste. Grenade. Et boum. Ramène-toi. Bah alors. Ça fait mal. T'as mal? C'est pas grave. C'est que t'es vivante. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Dégage. Lumière. Putain, c'était piégé. Quand c'est pas les ghouls, c'est les pièges. C'est génial. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se la mettre? Oh le pauvre. Ah putain, heureusement que j'y pense parce que maintenant, hein, on n'avait pas le truc pour ouvrir avant. C'est quoi ça? Oh, un joli chapeau, je prends. Et là, il y avait un ancien feu de camp. Donc le mec a dû rester là à buter tous les trucs en fait. Bah oui, c'est facile. Vu qu'elle monte que par l'escalier, c'est facile de les buter. Par contre, il aurait fallu mettre des cadavres de ghouls. Ça aurait été tellement plus stylé. Ok, c'était flippant. On a bien fait de le faire, mais c'était flippant comme endroit. Alors. Ok. Donc il n'y a plus qu'à remonter. De la go. C'est con. Ok, on remonte. Hop. Yo. Ça me fait chier pour mon bras d'armure, hein. Soyons honnêtes. Alors, nord. Plein d'or, on a un truc. Eh bien écoutez, on y va. Je crois que ça veut dire un monument. Aussi, on risque de tomber sur des bestioles un peu plus balèzes, donc... Euh...
Oui, je parle de bestiole balèze et je sors ma batte de baseball. Oui. J'aime pas cet endroit. What? Ah oui, non, j'y suis déjà allé là-bas, je suis con. Il y a une antenne là-haut, regardez. Non, c'est quoi? C'est pas une antenne. Là, il y a une espèce de maison en brique. Là, il y a un oiseau qui passe. Un petit pont. Des flammes. C'est donc habité. Par qui, par quoi? Villa côtière. Wow! Mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Non! Ah, c'est un pillard. Ça va. Excuse-moi, je voulais t'aider, hein. Bah alors, vous aimez pas l'électricité? Ah, c'est dommage, j'ai pas réussi à l'envoyer à Shai. Je suis dans un trou. Ah oui, je suis dans un trou. Bon, le pillard. Qu'est-ce que t'avais sur toi, mon pote? Quelques munitions. Rien de bien exceptionnel. Par contre, on a pu. Kanigou et. Curry. Pride Curry. Merde. Faudrait que je les re-TP sur moi. Je sais pas du tout où ils sont coulés. Un instant, je les TP. Voilà, re, chers amis. Alors, Curry est en train de partir. Curry. Ah, ici. Qu'est-ce qui t'arrive? J'attends ici. L'endroit est sûr, n'est-ce pas? On y va. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes. Dogmeat. Je risque de devoir en supprimer pour enregistrer mes nouvelles. D'accord, il bug aussi complètement. Allez. Voilà. On y va. Ok, parfait. Bon. On a visité l'endroit, c'était pas top. J'aurais préféré qu'il y ait une. Oh, qu'est-ce que c'est? Un daily bugle roulé. Ok, pourquoi pas. J'ai dit donc oui, j'aurais préféré qu'il y ait une station de. De comment de. De réparation pour armure assistée. Ce n'est pas le cas. Il y a juste un trou. Un trou complètement vide. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Par là, on y a déjà été, on est d'accord. Normalement, oui, Salem, la maison de la famille Rook. C'est quand même balèze pour une maison là-bas, ça fait carrément plus ville que maison. C'est pas là qu'on a trouvé le mec avec. Qui est dans sa ville avec Reba, là, la. La comment l'arme? Le sniper qu'il a appelé Reba. Y'a des gens là-bas. Apparemment, ils sont pas ennemis. F5. Allons-y. Quelle heure il se fait? Parce que là on est à l'est. Se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc normalement le soleil se lève. Ah bah non, vu que la lune monte. Donc dans Fallout, le soleil se couche à l'est. Excusez-moi. Tu crois qu'on va te laisser nous. Excusez-moi. Tu crois qu'on va te laisser nous gifler sans rien faire? Tu crois. Ah, je suis désolé, je voulais pas vous faire des dégâts. C'est bon, vous avez gagné. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Pas un geste. J'ai survécu une fois de plus à un affrontement.
Bien joué. Par contre, je sais pas si. Non, ça leur fait pas de dégâts, mes alliés. Donc, c'est vraiment à partir du moment où ils passent ennemis que ça doit leur faire des dégâts, j'imagine. Parce que ce serait débile autrement. Vous imaginez quand j'arrive en ville? Mais quand j'arrive en ville. What? C'est renforcé cet endroit. Pourtant, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On va pas y aller tout de suite. Je le sens pas, j'aurais préféré avoir mon armure complète. On va se rentrer. On va se rentrer à Sanctuary. Hop. On va aller réparer notre armure. Et on y reviendra tôt ou tard. Les armes et les créatures peuvent infliger 4 types de dégâts. Balistique, énergie, radiation, poison. Certains ennemis sont naturellement résistants à certains types de dégâts. Mais une armure spécialisée peut offrir la même protection. Intéressant. Alors, on a un problème d'armure. Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, garons-nous. À Sanctuary, pareil pour l'avenir. Fabriquer. Qu'avez-vous fabriqué cette fois? C'est quel bras? Réparer. C'est celui-là? Os machine, ça a jamais été mon truc. Elle est entièrement réparée, c'est parfait. Génial. Parce que quand même, elle est géniale, cette armure, moi j'adore. Mettons, on pourra aller mettre un jetpack, ça va être génial. Atelier, transfert. Et c'est là qu'on va aller voir un petit truc, chers amis, quand même. Parce que merde, on en a un paquet. Valeur. Normalement, on devrait pouvoir les trouver si je mets valeur. Ça coûte assez cher. Oh la vache, ça coûte cher. Ah oui, 300 quand même. Voilà. Ah non, poids 0. Ah d'accord. Excuse-moi, je pensais que ça prenait. Dans les autres jeux, ça pesait hyper lourd en fait, c'est pour ça. Tu peux te casser s'il te plaît, merci, que j'ai envie de regarder la fameuse lame que j'ai chopée là-dedans de je sais pas trop quoi. Lame sacrificielle. Ah d'accord. Ok, non mais pourquoi pas, je pensais qu'elle était déjà. C'est une machette à la base en fait. Je suis vexé, je l'avoue. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. Triple canon! C'est tellement stylé. Faudra que j'utilise ces trucs-là, parce que j'ai une chier de munitions, normalement. Il faut que je regarde aussi ce que ça utilise. Ça utilise du 5 mm, faut pas que je vende donc le 5 mm de base. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage... Voyage est une expérience très enrichissante. Tu t'arrêtes jamais de parler, hein. Je peux avoir une minute? Puis-je vous aider? Je voulais savoir ce que tu penses de notre relation. Notre arrangement me fatigue. Est-ce qu'on peut avoir une putain de romance avec elle? J'aimerais trop. Comme ça, je pourrais lui dire, en étant dans un couple, de fermer sa bouche. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on avait mis par là? Backpack workbench, effectivement. Ça me dit quelque chose. Et là, on a mis Chemistry Station. Vous devriez trouver un parapluie. Il ne faudrait pas que vous attrapiez froid. Je peux faire de l'addictol si je veux. Un cocktail Molotov, tiens, d'ailleurs. Je pourrais faire un paquet, d'ailleurs. Hop, les... Nuka grenade. Alors, normalement, il y a la baseball grenade. Ça, il va falloir que j'en fasse. La grenade plasma ça m'intéresse pas. Mais la nuque à grenade déjà m'intéresse un peu plus. Il faut physicien nucléaire rang 1. Expert en démolition. C'est quoi ces trucs? Physicien nucléaire? Demande pas la lune. Juste une bouteille de whisky et une bonne bagarre. Ah pour le whisky je peux te fournir. Par contre. Physicien nucléaire. Chimie. Ah oui il est là. Vous avez après fissionné l'atome et à le plier à votre volonté, vos armes à radiation. Plus ça compte de dégâts en plus, d'accord, ok. Wouah! Excellent! Les réacteurs à radiation durent deux fois plus longtemps et peuvent faire éjecter des armures assistées pour servir de grenade. Oh, le geek se rebelle quand votre passe le temps ralentir. 30%, 40%. Oh la vache!
Oh! Plus de 4 cibles, les autres subissent instantanément un coup critique. Oh, c'est d'une violence! L'arroseur arrosé, l'attaque à distance d'un ennemi revient parfois sur lui et le tue instantanément. Plus vous êtes proche de la mort, plus vos chances sont élevées. Oh putain, c'est génial. Oh, c'est débile. C'est absolument débile. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. On va aller voir les Tilotrons, tiens. J'en mets une petite bière, ce serait sympa. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Vous voulez vous humecter le gosier ou vous rire un bon coup? Oh, tiens, raconte-moi une blague. Raconte-moi une blague. J'étais dans la bande des 700 MHz à une époque, mais je suis parti. Nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Oh, la gueule. Non, tu m'as tué. Non, je suis désolé. Là, faut pas que j'ajoute de l'alcool à ça, sinon ça va être terrible. Je fais pas de mélange, moi, monsieur. Oh putain, la blague de merde. Ok, bon. Paraît-il. Alors, il paraît pourtant qu'il y avait moyen, normalement. Alors, je vais quand même, hop. Des fois que. Il paraît que ça a été fixé, normalement. Donc ça m'a surpris. Eh ben non, toujours pas. Je peux toujours utiliser la touche X pour me déplacer, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est pas fixé tout ça. Ça fait 2 mois que je l'ai sorti et les bugs majeurs du jeu ne sont pas fixés. Et apparemment ça ne le sera sûrement pas. Hein. Hop. Encore, qu'est-ce que tu fais chez moi? Gros dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom pour votre lien dans la barrière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode mon partenaire Gamesplat.com qui m'a gracieusement fait le jeu, ainsi qu'Agatha Christie, The ABC Murders, donc Mad Max, Star Wars Battlefront. Encore une fois, un grand merci à eux, hein, c'est toujours aussi généreux de leur part. Un grand merci à vous pour votre fidélité, votre sympathie et votre assiduité à la chaîne. C'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Encore une fois, merci à vous. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop. Oh, une outro qui s'est pas trop mal faite, c'est bizarre.